Donne-moi mon verre. Donne-moi mon verre. Hey, toast pour la vie. Encore. Au toco. C'est trop sucré. Plus de vin, s'il vous plaît. Plus de vin. Ben, je veux plus de vin. Pas, apporte-nous du vin. Ah. Eh, hey, ça va, les filles? Ouais. Vous êtes contentes? Mm-hmm. Ça va? Super. Oui. Vous amusez bien? Mon pote! Mon garçon. Ouais. Regarde-toi avec ton jeu. Tu en veux plus? Mm-hmm. Ouais. Donne-moi-en. Tout va bien. Nous sommes ensemble. Nous allons posséder le monde. Au de coup! Après toi, c'est moi. C'est toi. Après moi, c'est oui. Moi. Oh, mec. La vie est belle, mec. Il est minuit passé. Et Alex n'est toujours pas rentré. Oh. J'en suis sûr. Tu veux pas que je dorme la nuit, n'est-ce pas? Il ne prend pas ses appels. Chérie, mais quand vas-tu arrêter de t'inquiéter pour ce bon à rien de garçon? Hein? Chérie, c'est notre fils. Oui, et alors? Mais pourquoi est-ce que tu te fais du tort pour quelqu'un qui a décidé de ne pas se rendre utile là? Allez, viens, on va se coucher. Oublie, ce vaut rien. Non. Je n'irai nulle part. Je vais rester ici et attendre mon fils jusqu'à ce qu'il rentre. Tu peux aller te coucher. Allez. Écoute, tu parles comme si je ne l'aimais pas. C'est aussi mon fils. Je l'aime et je me soucie de lui. Mais je n'apprécie pas son caractère. Chérie, il va changer. Il va changer et deviendra une meilleure personne un jour. Je l'espère. Continuons juste à le tolérer. Pour combien de temps encore? Qu'avons-nous pas fait pour lui? Nous allons continuer à le tolérer. Un jour, il va changer et deviendra une meilleure personne. Je l'espère. Bien, vu que tu as décidé de rester, alors je vais rester avec toi. Ouais. Quelle nuit! Mec! Quoi de neuf? On va à cet hôtel, non? Vraiment? Dépêchons-nous alors. Ça va barder. Ouais! Oh, je vais m'occuper mec, d'elle. Protège bien, hein? Protège bien, frère, ça va barder, hein? Un vrai mec, hein? Pas de problème. Chérie. Viens, on va se coucher. Tu as vu l'heure? Il n'est toujours pas rentré. Allons nous coucher. Allez, viens, on va se coucher. Il est en sécurité où qu'il soit. Rien de mal ne lui est arrivé, ok? Comment en es-tu sûr? J'en suis sûr. Allons nous coucher. Et si ce matin, il n'est toujours pas rentré, alors j'enverrai une patrouille pour le rechercher. Ok? Viens, on va se coucher. Alex, veux-tu bien nous dire où tu as passé la nuit? J'étais chez mon ami, bien sûr. Bouge. Et tu n'as pas jugé nécessaire d'informer qui que ce soit? Pas si je me souviens bien, je suis un adulte.
Je peux passer la nuit quand et où je veux. Pas tant que tu es encore dans cette maison. Dans cette maison, tu dois obéir à toutes les règles. Tes règles stupides, hein. Vas-tu fermer ta sale bouche? Tais-toi. Comment oses-tu parler à notre père ici? Je vais te frapper. Hey, tu vois? Arrête et fais attention à la façon dont tu parles à ta sœur. Ouais, c'est ça. Ne la traite pas de stupide. Et qu'est-ce que tu vas faire? Écoute, n'ose pas me parler comme ça. Eh ben, je vais le faire. Mmh. Et je lui dirai de se taire. Amanda, tais-toi. 1000 fois de plus, tais-toi. Qu'est-ce qu'il va faire? Je l'ai dit, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Papa, s'il te plaît. Tu vas faire quoi? Papa, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Laisse le bouffon. Sortez. Tu aurais dû nous dire. Sors d'ici. Je vais te faire mal. J'ai dit, je vais te faire mal. Sors. Fiston, tu aurais dû nous dire que tu ne reviendrais pas hier soir. Désolé, maman, j'ai oublié. Mais j'ai appelé ton numéro et tu n'as pas décroché. J'étais en boîte avec mon pote, les filles, la musique était forte. Pouvez-vous imaginer? Je buvais, j'ai rien entendu. Fils, ceci n'est pas juste. Maman, pourquoi le fait de n'avoir pas vu est un problème? C'est un problème? Je vois pas où est le problème, moi je peux pas supporter tout ça. Il faut que je... Sors d'ici, inutile. J'en ai vraiment ras-le-bol de ce garçon. Regarde. Ce vieux peut mourir. C'est ce qui m'importe. C'est tout ce qu'il mérite d'avoir. Bonjour, monsieur. Bonjour, maman. Sharon. Bonjour, Tom. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Sois la bienvenue. Alex est à la maison? Oui, il est dans sa chambre. Ok. Je vais de ce pas le rejoindre. Excusez-moi. Sharon! Oui, monsieur. Écoute, pourquoi ne dis-tu pas à ton petit ami que... Sharon, maman. Je t'en prie, il est à l'étage. Tu peux partir, hein? D'accord, maman. Chérie, c'est quoi ça? Tu veux présenter notre fils comme un irresponsable? Oui, c'est mieux ainsi. Comme ça, je pense qu'elle pourra le raisonner. Chérie... Bien qu'elle-même soit une fille irresponsable. Hey! Oui, bien sûr. Comment une fille irresponsable peut-elle sortir avec ce vaurien? Chérie, notre fils n'est pas aussi mauvais. Ah! Il est pire que ça. Salut, bébé. Salut. Comment tu vas? Je vais bien. Alors, pourquoi est-ce que tu n'es pas en bas avec ta famille? Oublie ces gens, s'il te plaît. Raconte-moi, qu'est-ce que ton ennuyeux de père a encore fait? Écoute, ces gens... Ces gens me tondent tous les nerfs. Et c'est comme ça tout le temps. Oublie-les, je t'en prie. Ah, j'imagine. De toutes les façons, ce ne sont pas mes affaires. Ah, bébé... Qu'en a-t-il de l'argent que je t'ai demandé? L'argent que tu m'as demandé? Bébé, je suis l'un des plus grands hommes de cette ville. Ah oui? Tu sais quoi? Je vais doubler ce que tu m'as demandé. Oh bébé, ça c'est mon bébé. Allez, viens là, viens là. Maintenant tu es détendu. Allez, approche. Je vais t'amener au 7e ciel cette nuit. Alors comme ça, tu vas m'amener en boîte ce soir. J'adore ça. Bien, mes chers enfants, je vous ai réunis ici pour vous informer que je vais bientôt prendre ma retraite. T'aurais dû faire ça il y a des années. Alex, tais-toi et laisse-le finir. Bien, comme je le disais avant d'être brutalement interrompu, je ne rajeunis pas. Et je dois nommer mon successeur. Attends une seconde. C'est une compétition? Je suis ton fils unique. Automatiquement, ce qui fait de moi ton successeur. Amanda ici va se marier et va foutre le camp de la maison. Excuse-moi, contrôle ta façon de me parler, d'accord? Assez de tout ça. Alex, contrôle la façon dont tu parles à ta sœur. Eh bien, quelqu'un doit lui dire qu'elle doit sortir. Ses amis se sont déjà mariés et ont des enfants. Elle doit partir. Tais-toi, Alex. Ferme ta bouche. Dites-lui quoi faire. Imagine. Je devrais quitter la maison de mon père à cause de toi. T'occupe pas de lui. As-tu vu ton fils? Ils sont sérieux, là? Ils essayent de faire quoi, là? Faire d'elle le PDG?
Non, 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 non. Je peux pas tolérer ça. C'est le seul fils. C'est ma position. Elle ne peut pas l'avoir. Écoute, les têtes vont tomber. Hein. Les têtes vont tomber. Ça peut pas être possible. Entrez. Papa? Oui. Devine quoi? Devine. Allez, accouche. D'accord. Alors, je viens juste de signer un contrat avec Odell Global Limited. Vraiment? Oui. Oui. Tout est ici, noir sur blanc. Waouh! Oui. C'est génial, là. Je sais. Je sais, papa. Ça l'est. Je suis très fier de toi. Merci, je papa. Je suis fier. Merci. Je voulais juste te le montrer. Merci. Je vais retourner dans mon bureau. J'ai encore du boulot. D'accord, très bien. Oui. Vas-y. D'accord. Très content de t'avoir comme ma fille. Bonjour, monsieur. Salut, Jeanne. Voici les documents que vous avez demandés. D'accord, merci. Wow, wow, Jeanne. Pourquoi tu te précipites? Attends une petite minute. Ah, d'accord. Tu sais que t'es une très belle femme. Merci, monsieur. Puis-je m'en aller maintenant? Non. Écoute, je t'avais à l'œil depuis un moment, tu sais. Et j'ai vu cette lumière et j'ai tellement envie de toi. Tu sais, j'ai énormément envie de toi. Tu comprends? Monsieur, je ne comprends pas. Tu comprends pas? Écoute, t'es sûr que tu comprends pas parce que je sais que tu comprends parfaitement. T'es pas une gamine, t'es pas une petite fille, voyons. Monsieur, je ne peux pas le faire. J'ai déjà un petit ami. Oh, t'as un petit ami. Elle a un petit ami. D'accord, c'est bon. Écoute, je suis désolé. D'accord, j'étais sans contrôle. Rassure-toi que ton petit ami te trouve un emploi. Parce que quand mon père prendra la retraite et que je prendrai les rênes, je te mets à la porte. Monsieur? Je t'écoute. Monsieur, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Faire quoi? Monsieur, je vous en supplie, pas ça. Qu'est-ce que tu comprends pas? Allez, rapproche-toi. Devant toi. Qu'est-ce que tu ne comprends monsieur, pas? Monsieur, s'il vous rapide. Plaît. Monsieur. Chut. Chérie, tu ne croiras pas. Quoi donc? Eh bien, Amanda a obtenu un accord avec Odell. Wow! Global Limited. Tu es sérieux? Ouais! Amanda, ma chérie. Oui, maman. Je suis si fière de toi. Merci. Je l'ai fait. De moi-même. Ouais. Mais fermez-la, bon sang. Hein? As-tu perdu la tête, Alex? Tu délires. Tu me demandes de la fermer. Ce garçon. Oui. J'essaie juste de vous rappeler les habitudes qu'on a en table. Les bonnes manières, on ne parle pas. Nous le savons tous. Mais c'est parce que je suis aperçu comme le vaurien que c'est mal, c'est ça? Fiston? Quelles sont ces manières? Fiston, reviens ici. C'est quoi ton problème? Alex? Arrête, s'il te plaît. J'espère qu'il ne reviendra pas. Bien sûr, bébé. Tu me manques tellement, Mike. Bien sûr que j'ai hâte de te voir. Je... Qui est-ce? Alex. Bébé, s'il te plaît, je te rappelle plus tard, ok? Là, j'ai quelque chose de très urgent à faire. D'accord, bye. Et j'arrive.
cette visite surprise? Tu ne m'as pas dit que tu venais. Ma famille me rend dingue. Que s'est-il passé? Nous étions à table pour dîner. Et mes parents ont intentionnellement commencé à faire des louanges à Amanda. Essayant simplement de me foutre en rang, et voilà. Et je déteste ça, je déteste ça tellement. Bébé, ça va aller. Oublie-les simplement. Je veux dire, tu m'aimes, moi. Et je serai toujours là pour toi. Simplement parce que je suis très dingue de toi. Je sais. Alors, détends-toi. T'as de quoi manger? Eh bien, il y a quelque chose. Parce que j'ai cuisiné. D'accord. Attends ici, je vais t'apporter quelque chose à manger, ok? Qu'est-ce que je ferais sans toi? Absolument rien. Bébé. J'ai pensé à quelque chose. Vu que ta famille te tape sur les nerfs, pourquoi ne faisons-nous pas un voyage en dehors du pays? Et comme ça, tu pourras te reposer et avoir la paix du cœur. Hmm? Où est-ce que tu veux aller? Le Canada. Le Canada serait idéal. Nous irons au Canada. Merci, bébé. Merci. Papa, je voudrais juste te dire que je pars pour le Canada dans quelques jours. Dis-moi pour faire quoi? Mais bien, juste pour se détendre et s'amuser. Ça ne sera pas possible. Tu veux dire quoi par c'est pas possible? Je pars juste pour un voyage? Tu travailles toujours et tu n'es même pas en congé. C'est pourquoi je ne prends que 2 semaines. J'ai dit que cela n'était pas possible. Et moi je dois partir. Que tu le veux ou non, je pars en voyage. Alors c'est ça? Bien. Si tu t'en vas, ça sera ta propre risque. Et tu déposes ta démission. Car à ton retour, tu ne travailleras plus pour moi. Cet homme a dit qu'il va me chasser de l'entreprise. Si jamais je partais. Quoi? Mais bébé, pourquoi est-ce que ton père est aussi méchant avec toi? Pourquoi? J'en sais rien. C'est fou. Bébé, il faut qu'on fasse ce voyage. Il faut qu'on le fasse. Est-ce que t'as entendu ce que je viens de dire? T'as rien entendu? Je vais perdre l'entreprise si jamais je partais en voyage. Et alors? Oh, donc tu comptes laisser tomber aussi facilement? Comme quoi? Bébé, écoute, tu es un homme. Et tu es un homme adulte. Et il faut que tu fasses comprendre à tes parents qu'ils n'ont pas le droit de te dire comment vivre ta vie. Il faut qu'ils le comprennent. Que veux-tu que je fasse? Hein? En rendant la maison invivable. Oui. Et de cette façon, ils vont te laisser partir en voyage. Je vois ce que tu veux dire. Les rendre la maison... invivable. C'est pourquoi je t'aime. T'es intelligente. Le dîner est servi. J'ai pas faim. Peut-être que tu devrais le donner à ton mari. Et ça lui fera plaisir. Allez, fiston. Pourquoi penserais-tu ainsi? C'est pas si évident que ça. Qu'il ne se soucie pas de moi, ni de mon bonheur. Écoute, maman, j'ai traversé beaucoup de choses ces temps-ci. Présentement, je suis instable. Ah, dans ce cas, fiston, nous allons prendre un psychologue pour toi. J'ai pas besoin d'un putain psychologue. Hein? Juste faire mon voyage. Fiston, essaie de te calmer. Arrête ceci et fais la paix avec ton père. Hein? Viens prendre ton repas. Maman, j'ai pas envie de manger. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille.
Maman, quel est le problème? Il dit qu'il ne nous rejoint pas pour le dîner. Pourquoi? C'est ce qui te contrarie? Il pense qu'on le déteste. Même les méchants, la Bible dit. Il y a point de paix en eux. Alors laisse se sentir comme il veut. Chérie, tu devrais chercher un moyen de faire la paix avec lui. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne me bats pas contre lui. Papa, je pense que maman a raison, d'accord? C'est ton fils. Vous devriez chercher à régler vos différends. Exactement. Ouais? Oui. S'il vous plaît, laissez-moi en dehors de ça. Quelqu'un qui refuse de se rendre utile, vous attendez à ce que je sois content de lui? Écoutez, j'ai déjà perdu l'appétit. Dans tous les deux, continuez avec le dîner. Chérie! Papa, où vas-tu donc? C'est quoi tout ceci? Hein? Maman, on dirait que c'est juste toi et moi qui aurons ce dîner. John! 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 Oga, ne vous fâchez pas, ne vous fâchez pas, je vais ouvrir! Tu sais à quoi dans cette maison? Vous m'avez fait tu mal! Tu sais quel genre de travail ici? Tu veux perdre c'est ton travail? Qu'est-ce que tu ne veux pas ici? Oga, au secours! Qu'est-ce que vaut rien? Qu'est-ce que se passe ici? T'en veux encore? Qu'est-ce que tu vas perdre ton travail, tu vas voir! Qu'est-ce qui se passe ici? Ne me touche pas à toi! Tristan! Oga! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Il a refusé de m'ouvrir le portail. Oh, John, c'est vrai? Madame, je n'étais pas là. Mais c'était la viande que vous m'avez donné le matin de manger. On le savait, j'ai mangé, j'ai commencé à mélanger. C'est dans la toilette que j'ai vu maintenant. Il m'a appelé aussitôt que je suis venu. Il a commencé à me frapper. Histoire, as-tu entendu ce qu'il a dit? Il était aux toilettes et tu as refusé de l'écouter avant de le frapper. C'est moins que rien, le gardien ne prend pas son travail au sérieux, voilà. Tu veux la fermer, oui? John est beaucoup mieux que toi. Tu n'es pas en position de corriger qui que ce soit. Et que ce soit la dernière fois que tu lèves la main sur l'un de mes employés. Me suis-je fait comprendre? Ma pointure. John, désolé. Dépêche-toi d'ouvrir ce portail. Il ne fera rien de tel. Lève-toi et va faire ce que tu faisais. S'il ne peut pas ouvrir le portail, alors tu laisses pendre. Ouvrir j'ai ce portail. J'ai dit que tu n'ouvres pas ce portail. Regarde, je vous en prie, laisse. Va à l'intérieur. J'ai dit d'aller à l'intérieur. Va à l'intérieur. Il ne le fera pas. S'il ne peut pas ouvrir le portail par lui-même, alors qu'il se prendra. Mon dos, aïe. Vous n'aurez pas la paix dans cette maison. Je vous assure. Tu t'imaginais que mon propre père, il m'a humilié devant mon gardien. Je me suis fâché. Ah. Oh. Je ne comprends pas. Hein? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez ton vieux? Pourquoi te fais-tu ça? Hein? Pourquoi il te parle n'importe comment? En plus, devant ton agent de sécurité. Maintenant, ton agent de sécurité te parlera n'importe comment. Ce que je vais lui faire, hein? Je te fais confiance. Oh, Dogo, je sais de quoi tu es capable, mon frère. Mais attends, j'ai réfléchi, hein? Pourquoi ton vieux ne veut pas décider les choses, hein? Juste laver les mains. Je me le demande. Tu je sais. Je me le demande. Certains vieillards, quand ils ont déjà atteint 60 ans, ce dont je connais, ils vont juste voyager, se faire du bien, en fait, laisser tout à leurs enfants. Je ne sais pas pourquoi ton vieux tarde encore, hein? Que se passe-t-il? Je me contente seulement. Ce n'est pas question de contemplation, hein? Il n'y a pas de temps. Frère, tu ne sais pas ce qu'est. Frère, il n'y a plus de temps. Qu'il le fasse et qu'il parte, frère.
Je vais gérer. Je vais gérer. Ouais, bien sûr. Je vais prendre le contrôle de tout, je pense, tout l'Empire. Ce sera à moi. Et quand je prendrai les rênes, tu deviendras mon assistant personnel. Mon bras droit. Otoku, mon gars. Mon bras droit. Après toi, c'est moi. Toi, frère. Un autre Togo. C'est faux. Hey. C'est moi. C'est toujours toi, mon frère. Salut, Sharon. Salut. Comment tu vas? Je vais bien. Bienvenue. Bon après-midi. Bon après-midi. Merci. Tu es belle. Qu'est-ce que je peux t'offrir? Quelque chose de non alcoolisé? Ah, non. T'es sûre? Oui, ça va. D'accord. Merci d'avoir honoré mon invitation. Je t'en prie. Sharon. Oui. En fait, je t'ai appelée ici pour que tu puisses m'aider à parler à mon frère. Oui. Honnêtement, Alex est devenu incontrôlable dans cette maison. Il se chamaille avec tout le monde, bagarre avec tout le monde. L'autre jour, il a même frappé sur le portier. Quoi? Oui. C'est à ce point? C'est terrible, honnêtement. Alex. S'il te plaît, j'ai besoin que tu m'aides à lui parler. Parce que je sais que tu es la seule personne qui peut lui parler, je veux dire. Il n'écoute personne, si ce n'est pas toi. Ne t'en fais plus pour ça. Je vais lui parler. Je vais tout faire pour qu'il comprenne et il va se ranger. Merci beaucoup. Je savais que je pouvais compter sur toi. Je t'en prie. Alors, t'es sûre de ne rien vouloir? Non, non, ça ira. D'accord. Et maman, comment est-ce qu'elle va? Elle est à l'étage. Elle a honte. Oui, elle va bien. Il fallait écouter le genre de choses que ta sœur m'a dit aujourd'hui. Elle a dit tellement de choses négatives. Elle a dit que tu es un fauteur de troubles. Elle a dit que tu es une peste. Elle a dit tellement de mauvaises choses. Et elle m'a dit de te mettre en garde. Sinon, tu auras affaire à elle. Comment ose-t-elle? Je vais m'occuper d'elle, je te le promets. Ah, hé! Elle est folle. Ce n'est pas ce qu'il faut que tu fasses. Tu n'as pas à l'affronter. Je ne veux pas avoir l'air de celle qui est à l'origine de tout ça. Si j'ai pris la peine et le temps de te dire tout ça, c'est pour que tu saches le genre de sœur que tu as. Elle ne t'aime pas du tout. Eh bien, moi non plus. Je sais. Mais tu n'as pas à l'affronter. Garde juste à l'esprit que ta sœur ne t'aime pas. Alors pourquoi tu la protèges? Je dois lui donner une leçon. Est-ce que tu penses à ce qui va m'arriver après que tu as fait ça? Ah, tu penses que ta famille va encore m'accepter? Quand ils vont apprendre que c'est moi qui suis cachée derrière tout ça? Bébé, bébé, ne fais pas ça. Écoute. Souffle, détends-toi. Je sais que tu es en colère. Mais tu n'as pas affronté ta sœur. Et de toutes les façons, il y a plusieurs façons de tuer un chat. Ok. Regarde-le. Il est ivre comme une abeille. Ce pauvre imbécile. Si je suis un imbécile, alors c'est toi le roi des imbéciles. Parce que je suis le fils de mon père. Tu as tout tes sens. Si je suis stupide, c'est que tu es stupide. Chérie. Vieillard, je vais laisser ceci passer. Mais la prochaine fois que tu me touches, tu verras l'autre version de moi. Alors, sois prêt de partir de ma maison. Chérie, arrête. Sors d'ici. Ici, c'est chez moi. Sors d'ici. C'est quoi? C'est chez moi, ici. Une calamité. J'en ai ma claque. Je suis fatigué de ce garçon. Écoute. Sors d'ici. Sors d'ici. C'est notre fils.
un fils. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est? Fiston! Fiston vient déjeuner avec nous avant de partir. Sandra? Oui, monsieur. Veux-tu aller à la cantine me prendre de la pizza au poulet? D'accord, monsieur, mais ça sera un peu plus tard. Votre soeur a demandé ses ton document. Je t'envoie, tu me dis que ma soeur t'a envoyé faire quelque chose? Tu vas déposer ces documents? Mais monsieur... Tu veux perdre ton boulot? Dépose ces documents! Ne m'énerve pas! Est-ce qu'il va pas chez toi? Combien coûte la pizza? C'est 3 000, monsieur. J'ai 2 000. Tu as ajouté 1 000 et quand tu reviens, je te rembourse. D'accord, monsieur. Allez, fous le camp. Tu vas te dépêcher? Où est Sandra? Oui, madame. Votre frère l'a envoyé acheter de la nourriture. Quoi? Oui, madame. Elle lui a pas dit ce que je lui ai demandé de faire? Elle lui a dit, mais votre frère dit de déposer, sinon elle perdra son travail. Alors, où sont les documents? Les voici, madame. Bon, viens. Oui, bébé. Je fais tout mon possible pour être sûr que nous fassions ce voyage. Je le fais bien. Ce sera juste incroyable de se relaxer, toi et moi. Cassie, évite toutes ces bêtises. Attends une minute, mon amour, je te rappelle. Une dame folle vient d'entrer dans mon bureau. T'es le chien enragé. Amanda, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu as envoyé Sandra d'aller acheter de la nourriture? Ne sais-tu pas que je l'envoyais faire? C'est une photocopie? Est-elle la seule dans ce bureau? J'avais faim et je devais envoyer quelqu'un. Sandra n'est pas la seule assistante ici. Ne sais-tu pas l'importance de ces documents? Et la personne que je voulais envoyer. Alex, tu me cherches les problèmes. Et suis-je? C'est comme ça que tu parles à ton PDG. Tu dois apprendre à me parler parce que je suis le prochain PDG. Contrôle la façon dont tu me parles, ok? Continue à me déranger. Alex, reste loin de mes affaires. Tu vas faire quoi? Je t'aurai averti. T'es qui pour me parler comme ça? T'es qui? Tu me préviens? Alex? M'as-tu salué? Je ne salue pas les gens qui me détestent. Chérie? À qui parlais-tu? À qui d'autre si ce n'est à ton inutile de fils? Il s'agit de quoi? Il est entré dans la maison sans me saluer, alors j'ai décidé de le confronter. Et il a dit qu'il ne salue pas les gens qui le détestent. Tu veux dire qu'il t'a dit cela? Bien sûr que oui. S'il te plaît. Qui est là? Mon fils, c'est moi.
Ce problème que tu as avec ton père, je n'aime pas ça. Pourquoi penserais-tu que ton père te déteste? Maman, toi et moi savons que papa me déteste. Ce n'est pas vrai. Si, ça l'est. Tous et Amanda. Amanda par ici, Amanda par là. Prends par exemple le voyage que je veux faire. Si c'était Amanda qui avait demandé, il aurait approuvé même avant qu'elle ne le demande. Est-ce juste de ça qu'il s'agit? Maman, c'est l'une parmi tant d'autres. Dans ce cas, je vais parler à ton père pour qu'il accepte que tu voyages. Bien, maintenant tu parles. J'ai toujours su que t'es la personne la plus raisonnable de cette famille. Non, mon fils. Ton père et ta sœur sont aussi raisonnables. Si tu le dis. Je le sais. Maintenant, promets-moi que tu feras la paix avec ton père. Ouais, d'accord. Ça, c'est mon fils. Chérie. Oui, bébé. S'il te plaît, je veux te demander une faveur. Vas-y, je t'écoute. S'il te plaît, chérie, je te prie d'accorder à notre fils de faire ce voyage dont il souhaite effectuer. Non. Chérie, s'il te plaît, pour que la paix règne, il pense que nous le détestons. Ce chantage émotionnel ne marche pas avec moi. Ça ne marchera pas. S'il te plaît. Assez. Chérie, s'il te plaît, non? Il a promis de devenir une meilleure personne à son retour de ce voyage. Épargne-moi de ces conneries. Ah! Pour combien de temps va-t-il encore nous faire chanter émotionnellement? Ça suffit, s'il te plaît. Chérie, ceci sera la dernière fois. S'il te plaît, est-ce juste une conversation de père à fils avec lui? Je l'ai fait encore et encore, mais rien n'a changé. Tu veux dire que notre fils ne peut plus changer? Il faut bien plus qu'une intervention divine pour qu'il change. Chérie. Oui. Tu perds espoir en lui? Écoute, chérie, pour être honnête avec toi, j'ai perdu tout espoir sur cet enfant. Chérie, s'il te plaît, ne parle pas ainsi. Il va changer et devenir une meilleure personne un jour. S'il te plaît, chérie. S'il te plaît. D'accord. D'accord. Merci, chérie. C'est qui, là? C'est qui? C'est moi, fiston. Bonjour. Bonjour, fils. Comment a été la nuit? Ça va. Bien, fils, je suis venu te dire que je ne te déteste pas. C'est pas l'air que ça donne. C'est parce que tu me donnes toujours des maux de tête. Et ta sœur, non. Elle m'obéit toujours. Alors, je suis le démon. Ce n'est pas ce que j'ai dit. En fait, je veux que tu saches que je t'aime. Mais tu fais toujours des bêtises avec de mauvaises fréquentations. Voilà, tu es très désobligeant. Dis-moi, est-ce que tu aimes nos chamailleries? Non. Voilà. Quoi qu'il en soit, je suis désolé, ok? Je veux que nous ayons une bonne relation. Une bonne relation entre père et fils. Je veux que nous soyons ce que les Américains appellent copains. On peut devenir amis? Tu es très belle ce matin, ma chérie. Je te jure que tu es vraiment belle. Bonjour, pa. Bonjour, maman. Bonjour, hey. Fiston. Comment tu vas? Viens par là. Je vais bien. D'accord. Je m'en vais chez Sharon. On doit faire le shopping pour se préparer pour le voyage. Sharon, et toi? Mais voyons, fiston, tu m'as pas dit qu'elle allait voyager avec toi. Parce que j'ai oublié. Je serai de retour. Tu peux y aller, mon fils.
Ne vois-tu pas ce que je te dis à propos de cette fille? Chérie, laisse-les tranquilles. Je ne lui fais pas confiance. Elle a l'air d'une profiteuse. Je suis sûr que c'est elle, le cerveau derrière cette histoire de voyage. Comment sais-tu qu'elle est le cerveau derrière ceci? N'as-tu pas vu l'excitation dans le regard de notre fils quand il a dit que je vais l'informer pour le voyage? Chérie, s'il te plaît, arrête de mal interpréter les choses. Notre fils est amoureux d'elle et il la veut à ses côtés au Canada. Et puis, c'est tout. Cette fille est une profiteuse. Je ne lui fais pas confiance. Elle n'est pas bien pour notre fils. S'il te plaît, je me réjouis de la paix que j'ai dans cette maison. Ne commence pas d'autres chamailles, s'il te plaît. Allez, et ne te fâche pas, s'il te plaît. Je me sens bien. Je me sens bien. Pa-la-la-la-la. Je me sens bien. Kay, quelqu'un a l'air très... Oui. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi es-tu aussi excitée? Devine. Ton père est mort. Ton père est mort. Et t'es une sorcière? Pas jusqu'à ce point, quand même. Devine. Non, je plaisante. Alors, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Mon père. Mm-hmm. Mon père. Mm-hmm. A approuvé le voyage pour le Canada. Sérieux? Ouais. Attends, mais comment cela arrive? Écoute, il est venu dans ma chambre ce matin pour mm-hmm. me parler du fait qu'il veuille une relation entre père et fils, comment il voudrait mm-hmm. que... Pour couper court, ce qui me rend heureux, je vais aller au Canada. Ça mérite une cigarette. Donc le vieillard a finalement cédé à la pression. En même temps, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix, tiens. Essaye. Okay, allez, d'accord. Vas-y, essaye. Mais juste parce que nous sommes en train de célébrer quelque chose. On part dans 3 jours. Allez, approche. Approche. Donc, Odogo, tu veux dire que tu vas prendre ton bébé? Vous partez au Canada, juste pour vous amuser? Eh oui. Hey. Eh oui, mec. Odogo, je t'en fie, mon frère. Voyons, t'es mon pote, non? Écoute, la prochaine fois, tu vas entrer dans le projet et tu partiras avec nous. Oh, Togo lui-même! Bien sûr! Bam! C'est moi! Tu te crois sur parole, un vrai mec! Allez, on Mais voit! Oui. Bam! Tu vas me manquer, mon cher. Tu vas aussi me manquer, également, maman. Ma chérie. Waouh, mes enfants. Bon voyage. Merci. Faites un bon voyage, d'accord? Paix, papa. Oui. Mon très cher frère, tu vas me manquer. Allez, viens là. Oh, tu vas me manquer. Allons-y. D'accord. Maman, je vais les déposer. Bien sûr, ma chère. Allons-y. C'est parti. Au revoir. Au revoir. Bon voyage. Mon Dieu. Il va me manquer. Oui, ça, je te comprends. Chérie? Oui, maman. Salut, chérie. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de travailler sur ces documents. Chérie, quand est-ce que tu vas avoir du temps pour toi? Maman, je ne comprends pas. Tout ce que tu fais, c'est travailler. Tu ne te reposes pas. Bientôt, c'est ton 30e anniversaire. Oh, eh bien. Et je n'ai encore vu aucun homme autour de toi. Maman, c'est de tout ça qu'il s'agit. Chérie, tu ne rajeunis du tout pas. Et tu sais que la beauté d'une femme est comme une fleur. Maman, je sais tout ça, d'accord? Mais que veux-tu que je fasse? Que j'aille la Dior, draguer des hommes, pas moi-même. Ce n'est pas ce que je dis. Tu dois être un peu moins stricte. Tu dois sortir, te faire des amis. Maman, je serai moins stricte, d'accord? Je vais me faire des amis, je serai moins stricte. Je vais me trouver un homme
mais au bon moment. C'est quand le bon moment? Maman, s'il te plaît, tu me distrais. Je dois finir ce que je fais. Tu dois te donner un peu de repos avant que tu ne t'épuises. Maman, je vais me donner du repos. Laisse-moi d'abord finir ce que je fais, d'accord? Je le ferai. Bonne nuit, ma chère. Bonne nuit, maman. Une bouteille de bière, s'il te plaît. D'accord, monsieur. Salut. Salut. Puis-je me joindre à vous? Sûr. Merci. Je m'appelle Frank. Et moi, Amanda. Wow. Amanda. Ça, c'est un joli prénom. Merci. Écoutez, Amanda. Honnêtement, je suis venu pour boire. Mais dès le moment où je vous ai vu manger, mon esprit n'a pas cessé de me dire « mange, mange ». J'ai changé d'avis. J'ai eu faim directement. Oh, désolé. Excuse-moi. Je suis désolé. Regarde ce que vous avez causé. Excusez-moi, Votre Majesté, s'il vous plaît. Je vous en prie. Je vous pardonne. Merci. Merci. Mais ne me faites plus rire ici la prochaine fois. Je ne le ferai plus, Majesté. Vous êtes vraiment magnifique. Merci. Tâchez de ne plus recommencer. Oh. Voici votre boisson, monsieur. Excusez-moi. S'il vous plaît, pouvez-vous me servir exactement ce qu'elle mange? D'accord, monsieur. Merci. C'est rien. Bien sûr. Alors, connaissez-vous le coin? Oui. C'est mon lieu habituel. D'accord. Mais aujourd'hui est une bénédiction de vous voir. C'est la première fois que je viens ici. Oh, vraiment? Votre esprit a dit, s'il vous plaît, allons-y, Frank sera là. Je suis très heureux de vous voir, sérieusement. D'accord. Oui. Je suis heureuse que vous le soyez. Merci. Exactement ce que vous avez commandé, monsieur. Oh, merci. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. L'addition, s'il vous plaît. D'accord, monsieur. Non, vous ne pouvez pas régler l'addition. Excusez-moi. Oui, vous n'avez pas prévu manger. Je veux dire, vous avez mangé parce que vous m'avez vu manger, donc... Désolé, je vais gérer la facture. Non, j'insiste, je vais régler l'addition. Pour de vrai? Oui, je vais gérer l'addition. Ok, vous avez gagné. Merci. Wow. Ok. Bon appétit. J'ai trop hâte de manger avec vous. Voici l'addition, monsieur. Je vais le régler. D'accord. Dans un instant. Ok. Vous étiez sérieuse? Oui. Je le suis. Merci. De rien. C'est très bon. Vraiment délicieux. Oh, cette journée. Je me suis bien amusée. Honnêtement? Alors, merci d'avoir rendu mon déjeuner amusant. Non, je dois dire merci à vous, princesse. Je me suis bien amusée. Moi de même. Puis-je avoir votre contact? S'il vous plaît. D'accord. Voici mon contact. Merci. Je vais vous appeler. D'accord? Je vous dépose quelque part? Non, je suis venue avec ma voiture. Ok. Au revoir. Je vous appelle.
C'est moi, Frank. Oh, d'accord. Comment tu vas? Je vais bien. Et toi? Je vais bien. Alors, déjà à la maison? Oui, actuellement, je suis sur le point de prendre mon bain. Oh, wow. J'aurais souhaité être là. Et que ferais-tu si tu étais ici? Je t'aurais amené dans la salle de bain, tu sais? Je masserai toutes les parties de ton corps. Avec de l'eau bien chaude. Et t'aurais fait tendrement l'amour après ça. Tu as des sacrées imaginations, mon Dieu. Oui, tu peux encore le dire, tu sais. Tu inspires mon imagination. S'il te plaît, oublie. Tu ferais mieux de tuer tes imaginations. Je prends note. Bien, demain c'est samedi et j'imagine que tu ne travailles pas. Non, je ne travaille pas les samedis. Alors je me disais qu'on pourrait se voir demain. Tu dois d'abord me supplier. Je vous en prie, mon Altesse. Ma jolie princesse. La reine du monde. S'il vous plaît. D'accord. Tu viens de me gagner avec ça. Oui. Oui, alors demain, on se verra. Pas de problème. Demain alors. Eh bien, je te souhaite la plus merveilleuse et splendide nuit, la reine de mon cœur. Merci. Idem à toi. À demain, mon amour. À plus. C'est l'heure du bain. Maman, qu'en dis-tu? Waouh! Ma fille, tu as l'air fabuleuse. Merci. Ma chère, où est-ce que tu vas? Je sors. Sortir? Oui, maman. Allez, vas-y, parle-moi. Pour où? Maman, tu m'as dit d'arrêter de toujours être à la maison, que je dois sortir de temps à autre. Alors, je sors. Pourquoi tu te plains? Je ne me plains pas, ma chérie. Vas-y et profite de ton rendez-vous. Rendez-vous? Maman, s'il te plaît, je sors juste. Je n'ai pas encore rendez-vous, d'accord? À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, ma chérie. J'apprécie que tu sois venue. Merci. À vrai dire, je pense que je suis celle qui est reconnaissante. Parce que ça fait longtemps que je suis allée à un rendez-vous. Je ne sais même pas ce que ça fait d'être à un. Je comprends bien pourquoi cela. Parce que j'ai toujours du boulot. Je vois. Alors, Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, madame. S'il vous plaît, que puis-je vous servir? Je pense que je vais prendre des pâtes au poulet. La même chose, mais avec une bouteille de vin rouge. Non. Pas du rouge. Mais le vin rouge est le meilleur accompagnement pour les pâtes. Je ne prends pas d'alcool. D'accord, monsieur. Je vous reviens. Je ne savais pas que j'étais avec une aphtème. Et puis quoi encore? Ok, alors, parle-moi un peu de toi. D'accord. Tu connais déjà mon nom. Je travaille avec Airbro Global Limited. Oh, vraiment? Oui. Actuellement, mon père est le PDG. Bien, c'est impressionnant. Merci. Donc, je travaille pour mon père. Bien. Assez sur moi. Parle-moi de toi. Je suis un homme d'affaires et je suis propriétaire d'une entreprise d'électronique. Je vois. Alors, es-tu marié? Non. Je n'ai jamais été marié. Un homme de ton calibre n'est pas marié. Pourquoi? Je suis si vieux? Ben, pas vraiment, mais avec tout ce que tu as déjà accompli, je pense que tu aurais déjà fondé une famille. Je pense que c'est pourquoi tu es là. Pardon? Amanda, j'ai tout. J'ai vraiment tout. Sauf le véritable amour. Mais depuis que je t'ai rencontré hier, je n'ai jamais arrêté de te voir dans mes pensées. Pas une seconde. Mon cœur n'a pas cessé de me dire que tu es celle qu'il me faut.
Mais tu ne me connais même pas. Je sais. Mon cœur ne me trahit jamais. Amanda, s'il te plaît, laisse-moi t'aimer. S'il te plaît. Alors, il m'a demandé de sortir avec lui. Waouh! Alors, quelle a été ta réponse? Je lui ai demandé de me donner un peu de temps pour réfléchir. Te donner un peu de temps? Ne l'apprécies-tu pas? Je veux dire, n'aimes-tu pas ce gars? Je l'apprécie, mais pas l'aimer. Pourquoi ne l'acceptes-tu pas? Parce que j'ai peur qu'on me brise le cœur. Te briser le cœur? Oui. Allez, ma puce. L'amour est un jeu. Des fois, tu gagnes, des fois, tu perds. Mais cela ne t'empêche pas d'essayer. Qui sait? Peut-être que c'est l'homme de ta vie. Je l'espère. Alors, donne-lui une chance. Je le ferai. Mais pas maintenant. D'accord, si tu le dis, trinquons. Tu es belle, ma chérie. Merci. Devinez qui est de retour. Waouh. Wow. Hey, bienvenue, oh, fiston. Et bienvenue. Merci. Comment tu bon vas? Retour. Merci. Comment est-il le voyage? C'était magnifique. Ah ouais? Tu peux le voir. J'ai aimé, je me suis bien amusé. Ouais, ouais. Elle est où, Amanda? Elle est sortie. D'accord, je vais l'appeler. D'accord. Tu nous as beaucoup manqué. Ouais. Notre fils est de retour. Il est de retour. Oh mon Dieu. Mon gars, tu as fait fort. Hey. Merci. Wow. Hey. Oh. Le seul et l'unique. Otoko en personne est de retour. Ouais. Et ouais. C'est tout moi, je suis de retour. Ça c'est correct. Après moi, c'est toujours c'est toi. Moi. Quoi de neuf, frère? Je vais bien, je vais bien. Ah, quoi. Je vais bien. Mec, nous sommes là. Quelles sont les nouvelles? Quand es-tu rentré? Oh, c'était hier. Hier. Otoko, j'espère que tu ramènes un truc pour moi. Qu'est-ce que tu racontes? Je peux pas voyager sans te garder. Ça, c'est truc. Cool, mon gars. Allez, tiens, c'est pour toi. J'espère que ça te plaira. Plaire? Otoko, tout ça pour moi? Oh, bien sûr. S'il te plaît. Otoko, j'apprécie. Merci beaucoup. C'est rien. Ah, c'est rien. Tu vois donc pourquoi je dis qu'après toi, c'est toi. C'est ça. Va t'échanger, on sort. J'apprécie vraiment. Hein. Va t'échanger, on sort. Que j'aille me changer. Dépêche-toi, t'es on va casser quelques bouteilles. Vas-y. Non, mais sûr, je vais me changer rapidement. J'arrive, mon frère, j'arrive. Il n'y a pas de temps à perdre. Ne me fais pas attendre, d'accord, s'il te frère. Plaît. J'arrive. Ça peut bien être. Seigneur, tu m'as ça manqué. Fait du bien de te voir. C'est trop bien. S'il te plaît, prends place. Ma chérie. Alors raconte, comment était le voyage? Mon voyage était magnifique. Puce, le Canada est un très beau pays. Waouh. Très beau. Je souhaite que tu y ailles un jour. Hey. Je peux le voir partout sur toi. Je le vois. Mais attends, j'espère que tu as pensé à moi. Je te ma fais puce, confiance. Fais-moi je confiance. Te fais confiance. Ah, toi, c'est moi. Je te fais confiance. Je t'ai ramené quelque chose que tu vas aimer. Allez, va le chercher. Je vais t'apporter quelque chose. Oui, j'ai même déjà soif. D'accord. J'accepte. Je serai ta petite amie. Vraiment? Oui. Merci, merci beaucoup. D'accord. Écoute, je te le promets. Tu ne vas jamais le regretter. Oui, je te remercie vraiment, mon amour. Je sais pas comment te remercier. D'accord. Ok, passe une très bonne nuit, d'accord?
Je t'aime. Je t'aime aussi. Bonne nuit. Je suis amoureux. Voici vos dossiers, monsieur. D'accord, Jeanne. Merci. D'accord. Juste une minute, attends, attends. Une minute. Ce qu'on a eu la dernière fois, ça me manque. Et tu me manques aussi. Tu me manques. Juste toi et moi, on peut encore le faire. Qu'est-ce que t'en dis? Hein? D'accord. Juste un peu. Alex? Sors, oh. Sors, sors. Quoi? Tu embrassais Dan? D'accord. C'est l'une de mes faiblesses. L'une de tes faiblesses? C'est ainsi que tu appelles ça vraiment? Je te trouve en train d'embrasser l'un de tes employés dans ton bureau. C'est tout ce que tu peux dire? Et si c'était quelqu'un d'autre qui entrait? Eh bien, j'espère que tu vas pas leur dire. C'est tout ce qui te préoccupe? Tu n'es même pas désolé pour ton acte. Ok, d'accord, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Dieu, Alex, tu es incroyable. Je pensais que tu as une copine que tu aimes. Pourquoi fais-tu ça? Je te promets que ça n'arrivera plus jamais. Et ne dis à personne, s'il te plaît. C'est mieux que ça n'arrive plus. Sinon, je t'exposerai. N'importe quoi. C'est quoi ça? Dan, je ne peux pas croire que tu aies fait ça. Tu as une honte pour les droits de la femme. Je peux te renvoyer sur le champ. Ah, madame, ne me renvoyez pas, s'il vous plaît, madame. Madame, ce travail est ma vie. Et c'est la seule raison pour laquelle j'ai fait cela. Il m'a menacé de renvoi au moment où il sera patron. Alex a essayé de te renvoyer. Oui, madame. D'accord. Alex, comment as-tu pu? Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, s'il te plaît, ne me regarde pas ainsi. Pourquoi as-tu forcé Dan de coucher avec toi? Je n'ai forcé personne, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as dit, la renvoyer si elle ne couche pas avec toi. C'est du passé. Je me suis repenti. J'ai promis et je suis désolé. Il n'y a pas le feu. Change tes manières. Oh, je t'en prie. Mais c'est quoi cette histoire? Ok, là, tiens-le, voilà. Comment incompétent peux-tu être? Hein? Tu es incompétent! Je savais que t'allais me décevoir et tu l'as fait. Tu leur as dit, c'est ça? Tu leur as déjà dit. Mais pourquoi t'as fait ça? Qu'as-tu bénéficié? C'était quoi le profit? En fait, tu savais que tu allais me trahir de toute façon. Alors, je suis pas surpris. Que se passe-t-il ici exactement? Bon, Alex pense que je vous ai parlé du fait qu'il a manqué son rendez-vous avec le tif d'Anduma. Mais je ne t'ai rien dit à propos, pas vrai? Oui, papa, tu l'as fait. Oh, une minute. Il s'agit de la réunion avec Aladji d'Anjuma. Oh, papa, je suis désolé, je pouvais pas être là. Et quelle pourrait être l'excuse maintenant? J'étais trop occupé, je suis désolé. Occupé à faire quoi? Aladji était tellement irrité. Au point de décider de ne plus faire des affaires avec nous. Et tout ça à cause de toi. Bravo à toi! Papa, je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai cru que tu m'avais trahi. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Alex? Pourquoi es-tu si inconscient? Et pourquoi suspectes-tu tout ce que j'ai fait? Nous avons perdu une affaire à cause de ton incompétence. Tu ferais mieux d'échanger tes manières. Excuse-moi. Tu vas pas profiter de cette occasion pour me parler comme ça, d'accord? Je t'ai dit que je t'ai désolé, voilà. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Amanda. Joyeux anniversaire. Hip hip hip. Ouais. D'accord, mais...
messieurs et dames. Oui. C'est le moment pour mon adorable fille de couper son gâteau d'anniversaire. Alors, nous allons épeler son nom. D'accord. Son nom est Amanda. Oui. Alors, quand je dirai la dernière lettre, elle coupera son gâteau d'anniversaire. D'accord. Donc, allons-y. A-M-A-N-D. Oh mon Dieu! Oui, oui, chérie. Ah, oui. Ma fille. C'est... Alex. Mon adorable fille, les mots seuls ne suffisent pas pour exprimer ce que tu représentes pour nous. Je suis fier d'être ton père. Merci, papa. Même dans une autre vie, tu seras toujours ma fille. Wow. Oui. Je prie pour que Dieu exauce toutes tes demandes. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Amen, papa. Bien, j'ai un petit cadeau pour toi. Une surprise. Après tout ça, papa. Mm-hmm. Wow, surprise. Nous allons descendre. D'accord, d'accord. Et tu le verras. D'accord, allez, allons-y. On y va. T'es sérieux, papa? Ouais, allons-y. Papa. Oui, mon bébé. Viens, on y va. Allez, viens. Waouh. Ta voiture. Papa. Merci, papa. Papa. Viens, 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 viens. Allons, tout près. La voiture. C'est joli. Ça, c'est adorable. Oui, tu le mérites et bien plus encore. Waouh! Waouh! Et voici les clés. La clé. Allez, oui, voilà. Je l'adore. Je l'aime. Merci. Elle est cool. Merci, merci. Oh mon Dieu, papa. Très belle, très belle, très belle. Papa, il merci. Il reste ici au courant, je vais te l'emprunter, un de ces quatre. D'accord, 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 d'accord. Félicitations, ma copine. Merci. C'est très joli. Je l'adore. Waouh. Oh mon Dieu. Bien, maintenant, retournons à notre fête. D'accord. Oui, allons-y, allons-y. Oh ma puce, félicitations. Merci, ma chérie. Félicitations. Merci. Je garde les clés pour toi. Alex. T'inquiète, je les garde. Allons-y. Waouh. C'est ma voiture. Merci, je sais. Très belle. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Entrons. Tu me poses vraiment cette question? Qu'est-ce qui va pas? Regarde. Ils ont acheté une voiture de marque à ta sœur. Et si ça avait été toi, tu penses qu'il t'aura acheté cette voiture? Tu penses qu'il te l'aura acheté? Alex, je ne vais jamais cesser de te dire que ta famille te déteste. Ils te détestent. Ils aiment ta sœur plus que toi. Et si tu restes là, les bras croisés, ils vont prendre tes droits et les donner à ta sœur. Tu dois réfléchir. Tu dois garder les yeux bien ouverts. Oui. Allons-y. Merci bébé pour le cadeau d'anniversaire. Allez bébé, ce n'était rien. Hein? Je n'en croirais pas ce qui se passe aujourd'hui. Mon père m'a acheté une VUS de marque. Une VUS de marque. Oh, oh, waouh. Oh, ça c'est très adorable de sa part. Toutes mes félicitations mon bébé. Merci. Je ne m'attendais pas honnêtement. Oh, tu le mérites vraiment. Crois-moi. Trop, trop de joie. Ma famille, ma couvette de beaucoup d'amour. Je ne m'attendais pas à tout ceci. Je me suis amusée, tellement amusée. Juste pour fêter cela, j'aimerais qu'on sorte demain. Vraiment? Oui. D'accord.
Aucun problème. Alors, à demain, mon amour. À demain, bébé. Bonne nuit, chérie. À plus, amour. Beaucoup, Puto. Je t'en prie. Tu es si adorable. Tu sais que tu es une princesse et tu mérites d'être traitée comme telle. Viens pas là. Merci. D'accord, on se dit à plus tard. C'est d'accord. Prends soin de toi. À plus tard. Conduis prudemment, d'accord? Bien sûr. Au revoir. T'es pas aussi innocente que t'as l'air. J'ai vu ça. Je t'ai vu clairement avec ce mec qui n'est pas ton mari t'embrassant dans la maison de ton père. Hein? Alex, quel est ton problème? T'es juste une sale gasse. Juste comme moi, on est tous pareils. Oh, de ma vie. T'as aussi offert quelques présents. Oui, hein? Il l'a fait. Je l'ai fermé. C'est ce que tu mérites pour avoir embrassé un homme dans la maison de ton père. Kars, tu me rends toujours heureux. Je sais, oh, ok. Tu vas trop me manquer. Oh, Ella. Oh. Ella, comment tu vas? Je vais très bien, merci. D'accord, bébé, je dois partir, ok? Prends soin de toi. Wow, je te verrai plus tard. Je dois partir. À bientôt. Bye. Prends soin de toi. Reviens je viendrai demain. Sans faute. Vas-tu m'expliquer ce qu'il se passe ici? Commence déjà par t'asseoir. Allez. Ok. Ne me regarde pas. Vas-y, parle. Allez. Tu sais que j'aime Mike. Et qu'en est-il d'Alex? Alex? Ce garçon pourri gâté. Je suis avec lui seulement à cause de son argent. Sharon! J'espère que ce jeu auquel tu joues n'aura pas de retour. Comment? Écoute, je contrôle la situation. Eh bien, je te crois. Mais sois juste prudente. Je suis... Oh, je te crois, ma chérie. Attends, je t'apporte quelque chose. D'accord, d'accord.
Merci. Tu y as un bel endroit. Eh bien, merci beaucoup. Crois-moi, toutes les femmes qui viendraient dans ce lieu aimeraient y rester. Voudrais-tu vivre ici? Peut-être. Alors, épouse-moi. Amanda, tu es tout ce dont j'ai besoin chez une femme. Je t'aime tellement. Je veux juste que tu vieillisses à mes côtés. S'il te plaît, épouse-moi. Oui, je le veux. C'est très joli. Ça te plaît? Oui, je veux t'épouser. Je veux t'épouser. J'ai quelque chose à te montrer à l'étage. D'accord. Viens avec d'accord. moi. D'accord, allons-y. Oui, c'est le plus gros contrat. Wow. Une grosse fortune. J'ai vraiment hâte. Ça, je te le dis. Bon après-midi, maman. Bon après-midi, papa. Ah. Je vais me marier. Waouh. Waouh. Je suis heureux pour toi, ma chérie. Merci, maman. Ouais. Alors, tu voyais quelqu'un et tu me l'as caché. Maman. C'est pas juste. C'est pas juste. Maman, je suis désolée. Pardonne-moi. D'accord, je te pardonne. Merci. Pourquoi tous ces bruits? Qu'est-ce qui se passe ici? Voici ce qui se passe. Ta sœur vient de se fiancer. Félicitations. Félicitations. Je vois la raison de la célébration et... félicitations, d'accord? Ouais, félicitations. Qu'est-ce qui ne va pas avec celui-ci? Ne t'occupe pas de lui. Ignore-le et continuons notre célébration. Écoute, tu dois nous le présenter. Je sais. Tu dois le faire. Honnêtement, je ne pouvais pas. Ah, j'étais si choquée. Pourquoi êtes-vous si drôle? combien d'enfants voudrais-je connaître? Trois. Je suis d'accord. Oui. Ce sera deux garçons et une fille. Non. Deux filles. Un garçon. Souviens-toi que c'est moi qui les mettra là-dedans. Et je sais exactement ce que j'y mettrai. Tu dois aussi savoir que je suis celle qui développera le bébé. Oui, alors je sais quoi développer. Oui. Tu n'es pas sérieuse, tu n'es pas sérieuse. Bébé, cela me rappelle. Mes parents disent qu'ils veulent te voir. Oh, ok. Alors, dans ce cas, eh bien, je devrais être chez vous ce week-end. D'accord, c'est pas fait pour le week-end. Ok. Bien, je dois aller quelque part ce soir. Ça te dit de m'accompagner? Ça ne me dérange pas, je t'accompagne. Alors, prépare-toi. D'accord. C'est elle, mon joli. Je sais, pas vrai? Oui. Merci, ma chérie. Merci. Alors, dis-moi, comment a-t-il fait sa demande? D'accord. Tout d'abord, il m'a amené chez lui. Et il agissait de façon étrange, tu sais. Je le suspectais, parce qu'il blague. Presque suis tout. D'accord. Alors, il s'est mis à genoux devant moi et il m'a fait sa proposition. Il a sorti la bague et m'a proposé de me le mettre sur le doigt. C'est très incroyable, ma puce. Je sais. Je suis merci. Tellement heureuse pour toi. Merci, 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 merci. Alors, fiston, une fois de plus, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur. D'où viens-tu? Je suis de l'état d'Omba. Ah, oui. Ça, c'est bien. Oui, c'est bien. Et que fais-tu dans la vie? Je suis un homme d'affaires. Oh, c'est bien. Quel genre d'affaires? Je fais dans l'électronique. Et bien sûr, je suis le propriétaire de l'entreprise. Ah, ça c'est génial. D'ailleurs, tu as l'air d'un garçon intelligent. J'aime les garçons intelligents. Merci, merci, monsieur. Ah, quand ma fille est venue nous dire qu'elle s'est fiancée, j'ai su que son choix ne serait pas mauvais. J'ai essayé. Bien sûr, j'ai essayé. Bien sûr. Bien sûr. Devine quoi? Je vous écoute. Elle ne me déçoit jamais. Elle ne me déçoit jamais, je te jure. Merci. Oui, merci. Une fois de plus, sois le bienvenu. Hein? Merci beaucoup, heureux monsieur. Heureux de t'avoir comme beau-fils. Oh, waouh, merci. Il fallait être là. C'était tellement irritant.
Comment on le regardait, on lui faisait des louanges, comme si il était un astronome qui allait en Mars. C'était tellement chiant. Il y a du feu sur la montagne. Comment ça, le feu sur la montagne, ça brûle déjà? Écoute, chérie, tu sais que tes parents aiment ta sœur plus que toi, n'est-ce pas? Et maintenant, elle a amené son fiancé. Et il l'aime bien. Bébé, si tu laisses ce mec épouser ta sœur, crois-moi, tes parents vont leur céder toute l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est simple. Trouve un moyen de mettre un terme à leur relation. Salut bébé, comment tu vas? Je vais bien, et toi? Je vais bien, je vais bien. Je viens te chercher pour le dîner. Le dîner? Très bien. Tu es prête pour moi? Oui. À tout à l'heure, d'accord? D'accord. Je peux voir? Salut Alex. T'es maintenant sans emploi ou quoi? Excuse-toi, excuse-toi. Tu n'as donc rien à faire? Je suis juste venu chercher Amanda. Je sais ce que t'es venu faire. Maintenant, sors avant que je n'appelle la sécurité. Quoi? Mets-toi dehors. Je me perds du temps, je dois gagner de l'argent, moi. Sors d'ici. Va te rendre plus utile. Bébé. Tu vas pas chez toi. Bébé. Et Amanda? Amanda, reviens. Trouve-moi ces documents. Bébé, bébé, attends. Quoi, attends, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors tu as dit à ton frère de m'insulter? Que t'a-t-il dit? Et pourquoi tu ne vas pas toi-même lui demander ce qu'il m'a dit? Demande à cet homme. Calme. Alex! Qu'as-tu dit à Franck? Écoute, Amanda. Tu dois rester loin de ce mec. C'est pas un mec bien, d'accord? Que Dieu punisse ta sale bouche! Écoute, t'es ma grande sœur. Je veux juste éviter d'avoir le cœur brisé. Tu comprends? Alex, même si Franvo ou non me brise le cœur, ce ne sont pas tes affaires. Reste loin de tout ce qui me concerne. Et que ceci soit la dernière fois que tu embarrasses mon évité. Et si je le fais, que vas-tu faire? Tu verras. Ouais, je verrai. Alex, pourquoi as-tu embarrassé Franck au bureau aujourd'hui? C'est ce que t'as dit à papa? Papa, c'est ce qu'elle t'a dit? Tu vas la fermer! N'ose plus jamais répondre à ma question par une autre question! Écoute, papa, je sais que c'est ta fille préférée. Ça, je le sais. Mais s'il te plaît, ne supporte pas un tel sale comportement. Quelle bêtise racontes-tu? Maman, un stupide garçon est entré au bureau aujourd'hui, à la recherche d'Amanda, pendant les heures de travail. Et vous voulez que je me taise? Non! Nous faisons de l'argent là-bas, et pas de recevoir des inconnus sans aucune raison, je l'ai mis à la porte, voilà. Cet homme en question est son fiancé, et il est juste venu l'amener déjeuner. Et tu l'as carrément humilié. Tu dois lui présenter des excuses. Ça, c'est impossible. Quoi? Je ne ferai jamais une chose pareille. Hé, ferme ta gueule! C'est impossible, papa. Pas cet imbécile de mec et arnaqueur. Écoute la ferme! Tu penses que tout le monde est irresponsable comme toi? Papa, ne m'insulte pas. Ne m'insulte pas à cause de ce parvenu. Tu es le parvenu. C'est toi le parvenu. Papa, avertis à ce garçon. Avertis-le sérieusement. Dis-lui de rester loin de mes affaires. Écoute, t'es aveugle. Je le sais, il le sait. Parce que j'étais dans cette situation, je sais exactement ce qui se passe. Tu vas bientôt tomber dans son piège, voilà. Allez.
Sois sage. Je sais juste te protéger. Reste loin de mes affaires, d'accord? Regarde celui qui va me protéger. N'importe quoi. Vous voyez? Vous voyez, elle s'en va. Parce que j'essaie de la protéger et d'être... ce bon frère. Vous voyez? Mais là, veilleuse, quelle est la différence entre un anacœur et toi? D'ailleurs, un anacœur est beaucoup mieux que toi. Tu es pire qu'un anacœur. Maman, t'écoutes? Est-ce que t'écoutes ça? Pourquoi as-tu décidé que nous n'aurons pas la paix dans cette maison? Pourquoi? Parce que vous aussi, vous ne voulez pas la paix. Vous ne voulez pas la paix, voilà. C'est ainsi. La Bible que vous lisez tous les jours, elle ne vous dit rien. Elle dit pas de paix pour les méchants. Pouvez-vous penser à ça? Pas de paix pour les méchants. Attends, t'as vu ça? Écoute, j'en ai ma claque. J'en ai ras-le-bol de ce garçon. Tu sais, je ne peux plus le supporter. Chérie, s'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-lui. Tu sais qu'il est toujours notre fils. Quel fils? S'il te plaît, chérie. Je crois qu'il va changer un jour, s'il te plaît. Écoute, femme. Tu ferais mieux t'occuper de ce garçon avant que je ne fasse ce que j'ai en tête. Ce garçon ne va pas me tuer. Il ne va pas me tuer. Décroche, Franck. Qu'est-ce qui ne va pas? Honnêtement, si j'ai le pouvoir de choisir ma propre famille, Alexa n'en fera jamais partie. Franchement parlant, peux-tu imaginer ce garçon? Ce garçon a ruiné ma relation. J'ai dit qu'il ne l'a pas fait. Ne reste pas là à pleurer sur ton sort. Tu dois le reconquérir. Que veux-tu que je fasse? Il ne promet pas mes appels. Alors va chez lui. Va le voir et explique-lui tout. Tu penses qu'il m'écoutera? Bien sûr qu'il va le faire. Ne baisse pas les bras. Allez. Fais-moi sourire. Oui, j'arrive. Que fais-tu là? Bébé, je suis désolée que mon frère était embarrassé. Je n'ai jamais été aussi humiliée auparavant. Jamais. Bébé, je suis désolée, d'accord? Alex est comme ça. Il est toujours jaloux de moi. Il me voit comme une concurrente. C'est pourquoi, quelle que soit une bonne chose qui m'arrive, il essaye de la détruire. Quel genre de frère est-il? Alex est juste terrible. J'ai parlé à mes parents. Ils l'ont avait dit de ne plus embarrasser quelqu'un comme ça. Surtout toi. Allez, je n'ai pas peur de lui. Oui, je suis juste en colère à cause de l'embarras. Je suis désolée. En plus, ce n'est pas de ta faute. Viens par là.
Tu m'as manqué. Tu m'as aussi manqué. Vraiment? Oui. Je suis désolée, d'accord? C'est bon. Allô, ma chérie. Bonsoir, maman. Pourquoi n'es-tu pas encore rentrée? Maman, je ne vais pas rentrer ce soir. Vraiment? Oui. Pourquoi? Rien, en fait. Je veux juste passer quelque temps avec Franck. Oh, je vois. S'il te plaît, informe papa. Je le ferai. À demain. Bye. Maman, tu dois voir qui demain... D'accord, c'est ta sœur. Attends, attends. Comment ça? Que veux-tu dire? Elle n'est pas rentrée ce soir? Oui, elle ne rentrera pas. Et tu ne vois rien de mal en ça? Elle n'est pas encore mariée à ce mec. Il n'est même pas encore venu toquer. Et toi, tu conçois ça? Qu'elle devrait dormir chez un homme? Un homme qui n'est pas son mari? Hey, surveille ton langage. Maman, c'est mal. Pourquoi est-ce que vous ne partagez jamais mon point de vue? Que je sais de quoi je parle. Il n'est pas bien pour elle. Et qui es-tu pour décider pour elle? Je suis son frère. Je me soucie d'elle. Nous sommes ensemble depuis des années et je le sais. Tu te soucies d'elle? Toi? Depuis quand? Depuis longtemps. Alex, s'il te plaît, laisse-la tranquille et occupe-toi de tes affaires. Oui. Oh, elle est de retour. La prostituée est de retour. Comment tu m'as appelé? Fille facile, c'est ainsi que je t'appelle. Tu devrais avoir honte de toi. Imbécile, ça ne va pas là. J'accepte, je suis un imbécile. Au moins, je ne suis pas l'une de ces filles faciles, prostituées, que tu es, où les hommes te supplieront, te donneront les miettes et te prendront par derrière. Dormir chez un homme qui n'est pas ton mari. Oh, vraiment? T'es qu'une garce. Bien. Il est mon fiancé, d'accord? Il est mon fiancé. Et bientôt, il sera mon mari. D'accord? Je ne suis pas comme toi. Qui chasse tout ce qui est sous la jupe. Au moins, je suis un homme. Un homme irresponsable. Un vieux. Fou. Arrogant. C'est ce que tu es. Un homme inutile. Qui penses-tu être? Une peste stupide. T'es qu'une pute. Comment oses-tu? Une garce. C'est quoi tout ceci? C'est une garce, ta fille. Une fille facile, maman, c'est ça. Peux-tu imaginer? Fille de joie que t'es. Comment oses-tu l'appeler ainsi? C'est ce qu'elle est, elle n'est qu'une fille facile. Comment oses-tu? Maman, arrête. Qui ai-je offensé? Sale chose. En quoi ai-je échoué en t'éduquant? Et Amanda, reviens! Reviens ici, sale garce! Quoi? Maman, pourquoi arrête, arrête! Tu continues à l'insulter? C'est quoi ces bêtises? N'importe quoi! Bébé? Peux-tu imaginer? Hier, ton frère s'est opposé à moi. Qu'est-ce qu'il voulait cette fois-ci? Il veut que je reste loin de toi. Mon père doit être au courant de ceci. Non. Ça ne sera pas nécessaire. Ce garçon, je peux le gérer. Es-tu sûr? Mon cœur, ne t'inquiète pas. Je peux gérer... Alex. Honnêtement, Alex est un... être moque. Je ne comprends pas. Je me demande comment vous supportez ce genre de personne chez vous. J'aimerais bien savoir. Vraiment savoir. Je ne sais pas. Mais je réfléchis à ce sujet. Je pense à ça. Je dois empêcher ce mec de voir ma sœur. Attends, que se passe-t-il? Parle-moi. Qu'est-ce qui se passe? Oh, mec. Si ce mec épouse ma sœur, il est très certain que ce pauvre vieillard mettra la société. Il mettra la société sous son nom. Et moi, qu'est-ce que je ferai? Où est-ce que j'irai? Au Togo. Pensez-y. Ah, c'est vrai ce que tu dis. Hey. Ce qui veut dire qu'on doit les séparer. Nous devons les séparer. Nous devons d'abord salir son image, voilà. C'est toujours toi. Au Togo, c'est une petite affaire.
chance. Attends, que je te dise quelque chose. Hein? Mais je te dis, mon pote. Oui, une minute. Bon après-midi. Bon après-midi, officier. Nous sommes des officiers de ce district. Ok. Nous avons un mandat de perquisition. Fouiller ma maison? Oui. J'ai trouvé quelque chose. Super. De quoi s'agit-il, officier? Je suis innocent. Avance, avance. Je suis innocent. Avance. Oh, 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 oh. Doucement. Avance. J'ai dit d'avancer. Doucement. Avance. Plus vite. Bébé, je suis innocent. Je ne sais pas comment cette drogue est arrivée chez moi. Peut-être que quelqu'un essaie de me piéger. Qui cela peut-il être? Mes associés d'affaires, j'en ai l'impression. Ceci est difficile à croire, honnêtement. Bébé, s'il te plaît, crois-moi. Je n'ai pas mis cette drogue là. Je le jure sur ma vie. Ça va. Je te crois. Merci. La question est, comment vas-tu sortir de cet endroit? Mon avocat travaille dur pour me faire sortir d'ici. Je l'espère bien. Ne t'inquiète pas. Je vais sortir de cet endroit. Très bientôt, s'il te plaît. Crois-moi. Ok? D'accord. Merci. Merci beaucoup d'être là pour moi. Je t'en prie, je serai toujours là. Je l'ai dit. Papa, je le dis depuis longtemps. Personne ne m'écoutait. Papa, ce n'est pas vrai. Tu parles encore? Je le dis depuis longtemps. Je lui ai dit qu'il y avait quelque chose qui était louche depuis le jour que j'avais vu ce gars. Il était louche. Je pouvais le sentir dans mon âme. Je savais qu'il était un trafiquant de drogue. Qu'en serait-il si Amanda l'avait épousé, pas? Ton nom aurait été sali? Ta réputation ternie, quelque chose que t'as lutté pendant très longtemps. Non, mais quoi? Maman, papa, n'écoutez pas Alex, d'accord? Alex, il ne l'a pas fait, franc et innocent, il n'a rien fait. Hé, comment as-tu pu? Amanda, comment as-tu pu? Hein? Tu veux tenir la réputation et l'image de cette famille? Hein? Papa, il n'a rien fait. Dorénavant, je ne veux pas que tu parles ou que tu vois ce garçon. Non. Allons-y. Pas. Maintenant tu parles. Yo mon négro. Wouah. Wouah. Parle encore, je vais te coller une claque, espèce d'idiote. Je t'avais prévenu que ce gars n'était louche. Tu m'as pas écouté. Je te l'ai dit depuis. Toi, tu te faisais prendre dans toutes les positions. Tu te laissais sucer les seins. Je t'ai dit que c'était un trafiquant de drogue. Un trafiquant de drogue. C'est ce qu'il est. Foutaise, espèce d'idiote. N'importe. Je te l'ai dit, reviens! Viens parler! Tu aurais dû voir le visage de mon père quand il lui disait à quel point il était tellement déçu d'elle. C'était fou, il fallait voir! Nos biens sont en sécurité. Tant qu'elle voulait s'approprier de ce qui nous appartient. Et tu verras qu'avec ça, ton père va te confier la gestion de toute l'entreprise maintenant. Ça veut dire que tu parles là au prochain PDG de Hebron Global Limited, pas vrai? Ah bon? Regarde-moi! Bébé, je t'aime!
Le futur pétiché. Oui, c'est moi. Ça mérite d'être célébré, tu ne penses pas? Je crois faiblement à son innocence. Je veux dire, il n'aurait pas pu faire ça. Quelqu'un essaye de le piéger. Et qui cela peut-il être? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et mes parents veulent que je mette fin à mes fiançailles avec lui. Alors dis-moi, que vas-tu faire à propos de ça? Je n'ai aucune idée, Marie. Absolument aucune idée. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Merci. Tu n'as pas besoin de me remercier. Je fais juste mon travail. Bien sûr. Après tout, tu es mon ami. Oh. Je serai toujours là pour toi. Je te suis reconnaissant. Je t'en prie. Je te suis vraiment reconnaissant. Je dois partir maintenant. D'accord. Salut. Salut. Salut, Franck. Bébé. Tu m'as dit, t'es de retour. Oui. Tu m'as manqué. Oh, Franck, j'ai quelque chose à te dire. D'accord. Allons à l'intérieur. Non, non, non. Non. C'est mieux ici. J'espère que tout va bien. Mes parents ne veulent plus qu'on se voit. Quoi? 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 Pourquoi? Je pense que nous devons arrêter de nous voir. Oh. Ah, Amanda, tu rompes avec moi? Adieu. Amanda. Non. Salut. Salut. Puis-je me joindre à vous? Sûr. Merci. Je m'appelle Franck. Et moi, Amanda. Wow. Amanda. Ça, c'est un joli prénom. Merci. Je dois dire merci à vous, princesse. Je me suis bien amusé. Moi de même. Puis-je avoir votre contact? S'il vous plaît. D'accord. Voici mon contact. C'est moi, Franck. Oh, d'accord. Comment tu vas? Je vais bien, et toi? Je vais bien. Bien, demain c'est samedi et j'imagine que tu ne travailles pas. Non, je ne travaille pas les samedis. Alors je me disais qu'on pourrait se voir demain. Tu dois d'abord me supplier. Je vous en prie, mon Altesse. Ma jolie princesse. La reine du monde. S'il vous plaît. D'accord. Je t'aime tellement. Je veux juste que tu vieillisses à mes côtés. S'il te plaît, épouse-moi. Oui, je vais t'épouser. Bébé,
cette chose avec laquelle tu es, qui est-elle? J'en sais rien, je sais pas. Bébé. Hé, ne m'appelle pas comme ça. Tu me connais? Bébé, je la connais pas, Tu dis cela à cause de cette chose? Attends, tu viens de m'appeler chose? Comment oses-tu? Comment oses-tu me gifler? Tu es bête. Hey, madame, s'il vous plaît. C'est moi que tu as parlé de toi. Tu es sale. S'il vous plaît, madame. Laisse-le. Ma chérie, regarde-toi. Tu viens juste de te faire humilier en public à cause de ce coureur de jupons. Je ne veux pas qu'une fille me l'arrache. Je ne veux pas ça. Mais toi et moi savons très bien que tu ne l'aimes pas. Alors pourquoi est-ce que tu te bats pour lui? Donc tu veux que je croise les bras et que je laisse cette sale petite fille me prendre mon Alex? Qui va payer mes factures? Pendant combien de temps comptes-tu te battre pour lui? Combien de temps? Je sais, mais j'ai un plan. Lequel? Je vais regarder qui est à la porte. Salut. Sharon, allez, je suis désolé. Hé, garde ta salive. Qu'est-ce qui t'arrive? Je veux dire, ce n'est pas la première fois que tu me fasses une chose pareille. Tu passes ton temps à m'humilier. Je ne peux plus supporter ça, je ne peux plus. J'en ai marre, cette relation est terminée. Ma chérie, je vais partir, je vais revenir plus tard. Excuse-moi. Écoute, mon cœur. Écoute, Sharon, je ne ferai plus jamais ça. Promis. C'est ce que tu as dit la dernière fois. Cette fois-ci, c'est pour de vrai. Je te promets, je ne ferai plus jamais ça. Prouve-le. Comment? Ben, dis-moi ce que tu veux. Je le ferai. Dis-le simplement. Si tu es vraiment désolé et que tu veux que je te pardonne, achète-moi une voiture de marque. Et c'est ce que je disais. Tu ne m'aimes pas. Ok, d'accord. Écoute, je peux t'acheter une nouvelle voiture de marque. Juste pour te prouver que je t'aime et que je ne referai plus jamais ça. Je peux faire ça, si ça peut te rendre heureuse, pourquoi pas? Je suis capable. Oui. Trinquons à ta nouvelle voiture. Mais ma chérie, comment l'as-tu fait? Maintenant, tu comprends pourquoi je suis avec lui. Il est ma carte bancaire. Je vois. Ça, c'est un gros poisson. Celui-là, c'est mon Mugu Pro Max. Ma chérie, j'ai aussi besoin de mon gros poisson. Bientôt, tu vas le trouver. Je suis contente pour toi. Femme, où est ton fils? Chérie, est-ce que tu... J'ai dit où est ton fils? Il est dans sa chambre. Oh mon Dieu, qu'as-tu fait encore? Alex! Pourquoi tu as retiré 20 millions de Naira du compte? Et c'est pour 20 millions que tu cries comme ça? Chérie, s'il te plaît, qu'est-ce qu'il y a? Ton vaurien de fils a retiré 20 millions de Naira du compte! Et je l'avais sur le champ! Je l'ai dépensé. Quoi? Tu as dépensé 20 millions de Naira en un jour? Pourquoi exactement? J'ai eu un problème personnel et je devais le résoudre. Quel genre de problème est-ce? Un problème personnel et je l'ai résolu. Et d'ailleurs, l'argent était dans mon compte. J'ai fait cette transaction! Écoute, j'ai acheté une nouvelle voiture à Amanda d'une valeur de 30 millions. J'ai dépensé 20 millions. Pourquoi est-ce que tu te plains? Tu vois ce que je te disais? C'est ça! C'est de ça dont je te parlais! Dis-moi, est-ce que tu entends ce que ton vaurien de fils sort de sa bouche? Alex, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je vais très bien, moi. D'ailleurs, tous mes amis riches, conduisent de grosses voitures, visitent les bars, les boîtes de nuit. Et pourquoi est-ce qu'ils dépensent de l'argent pour les autres? Pourquoi est-ce que je ferais pas pareil? Très bien. Je sais quoi faire. Écoute ton raisonnement. Je suis vraiment déçu de toi. Bien sûr, je savais que t'allais dire la même chose que ton mari, alors dis-le.
Dis-le! On ne peut plus être en paix dans cette maison. Cet homme mauvais est encore venu avec des problèmes. Je retourne à mon poste. Fiston, qu'y a-t-il? Moi, j'ai essayé de retirer l'argent dans mon compte. Et ça ne passe pas. Oui, c'est parce que j'ai bloqué ton compte. Et pourquoi est-ce que tu as bloqué mon compte? Parce que j'ai mis de l'argent. N'ai-je pas travaillé pour cet argent? Ouais. Prends une calculette. Faisons un calcul de ton salaire. Et voyons ce que tu as retiré. Et ce qui reste, voyons ensuite qui doit de l'argent à qui. Maman, j'essaie de garder mon calme là. Sérieusement, aujourd'hui je suis pas d'humeur. Est-ce que tu peux dire à ce vieillard, ton mari, de débloquer mon compte? T'en fais pas, je ferai rien de tel. Fais ce que tu veux. Tu l'as entendu cette fois-ci? Tu l'as entendu, non? D'accord, je le ferai. Chérie, mais tu es allé trop loin. Tu n'avais pas à bloquer son compte. Femme, je ne veux plus entendre parler de ce sujet. Bébé, tu vas bien? Mon père me rend de plus en plus fou. Qu'est-ce qu'il a encore fait cette fois-ci? Ce vieillard a bloqué mon compte. Quoi? Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Que je dépense son argent imprudemment. Ça se fait où? Mais l'argent en question, c'est ton argent. Alors pourquoi est-ce qu'il voudrait te dire comment le dépenser? Exactement ce que je lui ai dit. Écoute, bébé. Tu dois le combattre. Il le faut. Ah ça oui. Toi et moi savons qu'il va bientôt prendre sa retraite. Et une fois qu'il l'aura fait, c'est moi qui prendrai les rênes. Et une fois que je le ferai, je vais transférer tout l'argent de l'entreprise dans mon compte personnel. C'est une brillante idée que tu as là. Oui. Mais qu'est-ce qui va pas chez lui? Tu dois le combattre. Bien. Cela a été un très long règne, et un bon aussi. Je tiens à remercier personnellement chacun de vous pour votre dur labeur, pour votre dévouement, pour votre acharnement, pour toutes vos contributions, pour la réussite de cette entreprise. Merci une fois de plus. L'on dit que toute chose qui a un commencement doit avoir une fin. Donc, aujourd'hui, 8 février, moi, Donald Banweke, prend officiellement sa retraite en tant que directeur général de Hebron Global Limited. Bien, je souhaiterais nommer mon successeur. Comme vous le savez tous, je vous prie de lui donner le même degré d'engouement durant toutes ces années. Bien, votre nouveau directeur général est mon adorable fille.
Papa, tout ceci est une pire idiotie. Tout le monde sait ici que je suis le prochain PDG. Elle ne peut pas être ta successeur. Ça me revient de droit. C'est ma place. C'est de la pure folie. La pure folie. Waouh, chérie, tu es de retour. Merci, comment tu vas? Je vais bien, merci. Alors, comment ça s'est passé? Bien, je suis finalement en retraite. Ah. Et Papa, papa, tu ne peux pas me refuser mes droits. Il faut que tu ailles changer ces signatures et dire à tout le monde que je suis ton successeur. Parce que je suis ton fils unique et c'est mon droit. Et verse-le, sinon je vais faire tomber cette maison. Je te le dis. Fiston, arrête cette folie. C'est à ton père que tu parles ainsi. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Voyons, chérie, laisse ce chien enragé aboyer. Lorsqu'il se fatiguera, il retournera dans sa chambre. Moi, un chien? Tu n'as jamais vu un chien enragé. Tu n'as jamais vu un chien fou. Wouh! Tu n'as jamais vu un chien enragé. Wouh! Wouh! Cette maison sera à terre! Je vous le dis! Cette maison va tomber! Cette maison va tomber! Où ai-je failli? Où ai-je failli en l'éduquant? Je le savais! Je savais que ceci allait arriver! Bébé, je t'ai toujours dit que ton père ne t'aime pas du tout! Et maintenant, t'as retiré tes droits! Ah, Seigneur! J'ai pas vu ça arriver. Parce que tu étais aveugle. J'ai pas vu tout ceci arriver. Simplement parce que tu étais aveugle. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Comment ça, je peux faire les choses comme il se doit? J'ai fait tout. Tout ce que tu m'as dit. J'ai tout essayé. Ça ne sent pas bon. Alors, c'est quoi la suite? Bébé, tu dois leur faire vivre l'enfer dans cette maison. Tu dois leur mettre une pression de malade jusqu'à ce qu'ils se rétractent. Tu dois leur mettre la pression. Meg, tu vois ceci? Ça ne peut pas arriver. Ah, comment peut-on prendre quelque chose qui te revient de droit et le donner à une femme? Meg, j'espère que tu n'as pas accepté ça. Je ne vais pas accepter. Je ne vais pas accepter. Je ne vais jamais accepter. Ni aujourd'hui, ni demain. C'est pas possible. Quoi? Oh. Comment veux-tu qu'on gère ça maintenant? Je vais rendre cette maison si inconfortable. Ils vont me donner ce qui me revient. De droit. Otoko, écoute, hein. Tout ce que tu voudras, appelle juste ton pote, hein. Tu sais que ton pote ne te lâchera jamais, hein. Quoi que ce soit. D'accord? Mais j'apprécie vraiment, mais t'inquiète pas. Je gère. Je sais exactement quoi faire. T'inquiète pas, je vais gérer ça. C'est un petit problème. Après toi? Ah, c'est toi, toi, bien sûr. Exact! T'es là. Je peux voir que tu apprécies ton bureau. Mais je te promets que ça va pas durer. C'est à toi que je parle. Alex, que veux-tu de moi? Ce que je veux. Ce que je veux? Tu penses que je vais rester là, à te regarder, profiter de ce qui me revient de droit? Ça va pas arriver. Non, mais c'est une blague. D'accord. Je t'ai compris. Peux-tu maintenant sortir de mon bureau? J'ai tellement de travail à faire. Ouais, bien sûr, je vais partir. Mais je te promets que ce sera pas facile pour toi. T'as entendu? Ça ne va pas être facile pour tout. Pour toi! Alex! Ça va pas être facile pour toi. Assieds-toi. Maintenant, travaille. Princesse. Ça ne va pas chez toi? Mon Dieu! Ça suffit! Là, ça n'est de trop! Dieu sait que j'ai assez toléré les conneries de ce garçon! Mais puis maintenant, ça c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alex, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi as-tu détruit le laptop de l'entreprise? Sais-tu les données qui sont stockées dans ce laptop? Je m'en fiche. Hein? Vous pouvez imaginer. Je m'en fiche pas mal. Si vous pensez
d'un seul instant que vous pouvez prendre ce qui m'appartient de droit, alors personne n'aura la paix dans cette maison. C'est là où tu as tout faux. Parce que je te renvoie de là où tu viens. Où irai-je? C'est la maison de mon père. Oh, une fois de plus, tu as tort. Je ne suis pas ton père. Chérie, s'il te plaît. Laisse-moi dire la vérité à ce garçon. Parce que je l'ai laissé faire pendant un moment, il ne causera pas ma mort. Attends. Maman, qu'est-ce qu'il a dit? Maman, réponds-moi. Tiens. Toutes tes réponses se trouvent là-dedans. De l'orphelin de nous, t'avons sorti. Et toutes les autres choses que tu veux savoir. Écoute, je veux plus jamais te voir rôder près de chez moi. Tu m'as compris? Et je te donne 2 heures pour faire tes affaires et partir de chez moi. Maintenant, je comprends. Pourquoi je suis pas surpris? Pourquoi? Je l'ai toujours su. Je l'ai senti dans mon âme depuis tout ce temps. C'est pour ça que tu m'as toujours traité différemment. Depuis tout ce temps. Ce n'est pas vrai. C'est parfaitement vrai. Nous t'avons élevé avec amour. Maman, s'il te plaît, que se passe-t-il ici? Parle-moi, maman, que se passe-t-il ici? Désolée, ma chérie. Je vais à la recherche de ma famille. Ma vraie famille. Qui me montrera le vrai amour. Pas tous ces faux qui sont ici. Et quant à toi, Amanda, la prostituée que t'es, eh bien, sache que c'est moi qui ai mis la drogue dans la maison de Frank. Quoi? tu es un démon. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour ce garçon? Tout est de ta faute. Mon Dieu. Tu aurais dû te débarrasser de ce vaurien depuis longtemps. Monsieur, vous ne prenez pas la voiture, hein? Vraiment franche avec moi. Suis-je ta fille biologique? Oui, bien sûr. Et comment se fait-il qu'Alex non? Parle-moi. Ma fille, quand je t'ai eue, j'ai eu des complications. En fait, ça a été un miracle que j'ai survécu à ça. Le docteur m'a averti de ne plus concevoir quand tu es né. Quand tu as eu 2 ans, j'ai convaincu ton père d'adopter un enfant mâle. Il a refusé l'idée en premier lieu, mais plus tard, il a accepté. C'est ainsi que nous avons adopté Alex. Il avait juste 6 mois. Il était si mignon et adorable.
Je n'avais jamais su qu'il deviendra une plaie dans notre chair. Pourquoi as-tu caché cela? Parce que je ne voulais pas de discrimination. Je voulais que l'amour règne. Maman, Alexei était celui avec la discrimination ici. Quelle ironie avec ta vie. Regarde-moi. Tu es en train de me dire que Chief Donatus et Lova Hannes ne sont pas tes parents biologiques. J'ai été adopté. D'accord. Hey! Mais bébé, ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle du tout. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? La chose la plus logique à faire, c'est de trouver mes parents biologiques. Quoi d'autre? Ah. Eh bien, si jamais tu veux mon avis, je te dirais de retourner là-bas et leur demander pardon. N'importe quoi! N'importe quoi! Je dois aller prouver que je peux me débrouiller tout seul. Je retournerai jamais là-bas. Ok. J'espère que tu sais ce que tu fais. Hein? Tu veux dire que... Tu veux dire Chef Donald n'est pas ton père? Il n'est pas. Il n'est pas. Il n'est pas mon père. Que vas-tu faire maintenant? Je dois chercher mes vrais parents. Je vais devoir chercher mes vrais parents. Je vais commencer par là. Tu sais? Merde. Boss. Merde. Odogo. Je te plains, mec. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu sais que je suis là, frère. Ce n'est pas grave. Nous sommes ensemble, frère. C'est rien, ça va aller. Non, je peux pas croire ça. Je ne peux pas croire à ça. Je n'arrive pas à croire à ça. Je peux pas y croire. Je peux pas non, croire. Non, arrête, s'il te plaît. Fumer un joint ne va pas t'aider. Allez. Fais une pause avec ça, s'il te plaît. Je sais que c'est très douloureux. Mais tu dois te ressaisir. Essaye. Pourquoi mes parents n'ont pas voulu de moi? Pourquoi n'ont-ils pas voulu leur propre enfant? Je suis tout le monde brisé, là. Je sais. Oh, bébé, ça va. Viens, viens. Viens. Je suis tellement brisé. Ça va. Tout ira bien. Ok? Je suis tellement brisé. Ça va. Alex, il n'y a plus de nourriture à la maison. Et j'ai besoin d'argent pour faire les courses. Mais tu sais que j'ai pas d'argent. Ah, je ne veux pas écouter ce genre de choses. Je ne veux pas écouter ce genre de choses ici dans ma maison. Ah, ça veut dire quoi? Écoute, sors et va te battre comme tous les hommes. Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi? T'essayes de me manquer de respect, mais tu n'es pas la même personne que j'avais l'habitude de gâter avec les bijoux. Arrête-moi ça. Et puis quoi? Écoute, tout ça, j'avais déjà ça avant. Ce n'est pas un luxe pour moi. Hmm? Si tu ne prends pas tes responsabilités comme un homme, cette maison ne va pas nous contenir tous les deux. Ça, c'est incroyable. Vraiment incroyable.
Je vais bien. Quoi? Tu es en train de plaisanter? Jésus-Christ. Mike est en train d'arriver ici. Il ne faut pas qu'il voie Alex. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Alex doit partir. Il faut qu'il parte. Alex. Alex. Écoute, Alex. Il faut que tu partes de cette maison. Où est-ce que tu vas avec mes bagages? Je suis en train de dire qu'il faut que tu partes. Écoute, mes parents sont déjà en train d'arriver ici et je ne veux pas qu'ils te trouvent ici. S'il te plaît, sors de ma maison. Il y a quoi de mal? Je veux dire, tes parents arrivent, je suis ton petit ami. Et puis quoi si tu es mon petit ami? Est-ce qu'elles nous sont mariées? Écoute, je ne veux pas que mes parents arrivent ici et pensent que je suis irresponsable. Donc, commence à partir. Et où est-ce que tu veux que j'aille? Je ne sais pas. Tu peux aller où tu veux. Ou bien même encore, va chez Uche. Sharon, arrête avec tes enfantillages. Je paye pour cet endroit. Et alors? Et puis quoi? Eh bien, tu l'as payé en mon nom. Sors. Ah, paro. Ne m'amène pas à te forcer. Sharon, t'es pas sérieuse, là? Je pense que je suis en train de blaguer. Lève-toi, sors de ma maison. Allez, allez. Attends, sors, mais Sharon sors. Allez, va, sors de ma maison. C'est quoi tout ceci? Pourquoi est-ce que tu veux me faire bavarder? Salut, bébé. Hé, bébé. Hé. Mais que se passe-t-il, là? Qu'est-ce qu'il y a? Qui est-ce, bébé? Qui c'est? Bébé, c'est mon camarade de classe. Il vient du village. Le pire dans l'histoire, c'est qu'il ne m'a même pas dit qu'il venait chez nous. Il a juste débarqué. Je ne sais pas s'il pense que je gère un centre d'accueil à Lagos. Sharon? Bébé, s'il te plaît, viens t'asseoir. Hein? Assieds-toi. Mets-toi à l'aise, ok? Toi, sors d'ici. Viens. Vas-y, sors. Tu es sûre qu'il va s'en sortir? Bébé, attends un instant. Vas-y, sors. T'es sérieuse, là? Chérie, s'il te plaît, fais attention à toi, d'accord? Calme-toi. Va-t'en. Tu vas bien? Bébé, ne fais pas attention, ok? Oui, j'essaye de... Que se passe-t-il? J'arrive toujours pas à y croire. Je veux dire, après tout ce que j'ai fait pour cette fille, après tout ce que j'ai fait à Sharon, elle ose me faire ça à moi? Non mais... Oh, mec. Désolé, mec. La vie est ainsi. Est-ce que tu sais que la maison dans laquelle elle m'a mise dehors, j'ai payé le loyer? Que dis-tu? C'est moi qui ai payé. Personne n'osera dire que j'ai pas payé. Je t'assure, c'est moi qui paye cette maison. Alex. Frère, t'as fait du n'importe quoi. Donne l'argent que tu pouvais me donner. J'ai appris pour aller payer une maison, Sharon. Hey! C'est maintenant que je vois que tu es un vrai idiot. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi, hein? Uche? Uche, t'as fait de la cuisine? Oui. Ok. Je vais à la cuisine, je vais prendre pour moi. Uche? Il n'y a rien à la cuisine, où est ma nourriture? Quelle nourriture? Ma part, non? Tu m'as donné de l'argent pour préparer. Ah, d'accord, je vais te rejoindre. Je te rejoins. Attends. D'accord. J'arrive. Ça a l'air appétissant. Si tu mets ta main. Si tu mets ta main, je vais couper. Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? N'essaie même pas. Qu'est-ce qu'il y a, mec? Allez. C'est juste de la nourriture. Et que j'ai pas mangé depuis le matin. Et j'ai très faim. Oh. Alex, a faim. Alors tu as faim. Toi, es-tu sûr que tu as faim? C'est toi qui as pris l'argent pour les doudous à la femme. T'as payé le loyer. Comme ça ne suffisait pas, t'as payé la voiture. Maintenant tu me dis que tu as faim. Que je ne vois pas. Si tu mets ta main ici, tu verras ce que je vais te faire. C'est toi qui me dis ça, moi? Outier, tu peux cuisiner. Outier, c'est toi qui me dis ça? Si tu veux,
Frère, hein? Tu t'étrangles. Hein? Ce qui va se passer, je vais finir ce repas devant toi. Tu as faim? Et tu donnes l'argent à la femme. À la femme! Salut. Quoi de neuf, mec? Alex. Je sors comme ça de chez le bailleur. Hein? D'accord. Il y a des arachides. Ah, ok. Le bailleur a dit... c'est pas moi qui ai dit. Hein. Le bailleur a demandé que je te dise. Que je te dise que, s'il te plaît, que tu prennes tes affaires et que tu libères son appartement. Que son appartement n'est pas pour deux personnes. Tu vois, ce n'est pas de ma faute, hein? C'est le bailleur qui a dit. Tiens, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Attends, mais... faire quoi? Tu parles de quoi? J'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas. J'ai dit le bailleur, mais pas moi. S'il te plaît, ce n'est pas moi. Le bailleur a dit que tu libères son appartement. Ah! Ok, d'accord. Montre-moi où il est, je vais lui parler. Mais tu joues quoi? Ça ne va pas? Allez, comment ça, je vais te montrer chez lui? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? S'il te plaît, je ne veux pas de problème. Tu veux que le bailleur me mette hors de chez lui avant que ça n'arrive? Tu vas sortir d'ici. Je ne veux pas de problème, mec. Ramasse vite tes affaires et sors d'ici. Te voilà que j'ai averti. Oh, ok. Ah. Mmh. Oh, Seigneur. Qui est-ce? Ah, j'arrive. Qu'est-ce que tu fais ici? Jared, qu'est-ce qu'il y a? Je suis coincé. J'ai besoin de ton aide. Et donc? Hmm? Cette maison ressemble à un centre d'accueil? Elle ressemble? Jared, je t'en prie, souviens-toi. Ne me touche juste. Comment oses-tu? Hein? Toi qui couches avec tout ce qui ressemble à une jupe. Sérieux? Et porte ta gouverne. Je ne t'ai jamais aimé. J'étais avec toi à cause de ton argent. Mais qu'est-ce que tu croyais? Je ne peux pas sortir avec un coureur de jupons. Maintenant que tu n'as plus un radis, notre contrat est nul et sans effet. Alors, sors de chez moi et ne reviens plus ici. Sharon, s'il te plaît. J'ai dit, sors de chez moi. Et écoute, la prochaine fois que je vais te voir aux alentours de ma maison, je vais chauffer de l'eau et te la verser. Maintenant, sors de chez moi. Allez. Sharon, s'il te plaît. J'ai dit, sors de chez moi. Sors. Va-t'en. Mais bébé, je suis l'un des plus grands hommes de cette ville. Et puis, tu sais quoi? Je vais doubler ce que tu m'as demandé. Bébé, ça c'est mon bébé. Allez, viens là. Oublie-les simplement. Je veux dire, tu m'aimes moi. Et je serai toujours là pour toi. Je serai dingue de toi. Je sais. Alors je... T'as de quoi manger? Eh bien, j'en ai. Parce que j'ai cuisiné. D'accord. Attends, je t'apporte à manger. Bébé. J'étais en train de penser à quelque chose. Vu que tes parents te tapent sur les nerfs, pourquoi ne faisons-nous pas un voyage en dehors du pays? Comme ça, tu pourras te reposer et avoir la paix du cœur. Hmm? Où est-ce que tu veux partir? Le Canada.
Le Canada est un chouette pays. D'accord. Je veux dire, comment cela fait pour arriver, hein? Amanda? Franck, je suis désolée d'avoir rompu nos fiançailles. J'étais tellement sous la pression de mes parents. Je ne voulais pas les désobéir. Mais, Dieu m'aide si tu étais innocentée. Que veux-tu dire? Je serais venue te voir depuis. Mais, je ne savais pas comment t'affronter. Amanda, de quoi est-ce que tu me parles? Alex. Alex t'a piégé. Quoi? Il t'avait piégé. Oh! Oh! Ce fils de pute? Je vais m'assurer que ce garçon pourrisse en enfer. Je vais le faire. Je ne sais pas où il est. Je m'en fous. Je m'en fous. Ta famille et toi devez livrer ce garçon. Alex a quitté la maison. N'est-il pas ton frère? Hein? Il n'est pas mon frère. Que veux-tu dire? Il n'est pas mon frère biologique. Étais-tu au courant de cela? Non. Mon père était fatigué de tolérer ses excès. Et dans sa colère, il a révélé le secret de son adoption. Il l'a renvoyé de la maison. J'ai grandi tout ce temps, pensant que j'avais un frère. Ça suffit. C'est très amusant, mais... j'étais là, pensant à toi, Amanda. Et tu es là. Amanda, je t'aime tellement, s'il te plaît. Épouse-moi. Franck, je veux t'épouser. Oui. Merci. 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 Je suis désolée. Je veux que tu le transportes de ce côté. Et tu te dépêches d'aller soutenir le mur là-bas avec le fer. Hein? Il se fait tard, nous n'avons pas de temps. Transporte tout ça de ce côté. Fais attention à toi. Bon après-midi, monsieur. Êtes-vous le chef chantier? Oui, je le suis. Puis-je vous aider? Oui, monsieur. S'il vous plaît, il y a du travail. Vous cherchez du travail?
Vous pouvez travailler comme vous êtes là? Oui, monsieur, je peux travailler. Vous avez bien regardé avant d'entrer ici? Regardez le travail que nous faisons, c'est du travail manuel. Ce sont des travaux durs. Ici, ce n'est pas le bureau, c'est pas vraiment un endroit adéquat pour vous. Écoutez, monsieur, ne vous en faites pas, je cherche du travail, je peux le faire. Vous pouvez faire ce travail? Je peux le faire. S'il vous plaît, je n'ai pas d'argent pour amener quelqu'un à l'hôpital. Allez chercher un endroit qui vous convient le mieux, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Vous pouvez travailler? Oui, monsieur. Ok. Voilà. Comme la décision vient de vous, sans problème. Avant d'enlever vos habits, ce que nous payons ici, c'est 2000 la journée. 2000 lira, tous les jours. Mais vu que vous êtes nouveau, je vous donnerai 1500. Façon pour moi de voir si vous avez la capacité de faire ce genre de travail. Et si je vois que vous êtes apte à faire le travail, là je vous payerai normalement 2000 naira par jour. Êtes-vous d'accord avec ça? 1500? En tant que nouveau, il faut que je vois si vous pouvez le faire. D'accord, d'accord. Vous acceptez? Sans problème, sans problème. Uche! Viens, viens. Oui. Oh, Togo. C'est trop sucré. Plus de vin, s'il vous plaît. Plus de vin. Je veux plus de vin. Tu n'entends pas ton nom? Apporte-nous du vin. Vous êtes à l'aise, les filles? Ouais. Je suis bien. Je vais bien. Oui. Mon pote. Mon garçon. Ouais. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Rapproche-toi. Allez, tourne-toi. Je comprends pas quoi. Monsieur, pardon. S'en prie, monsieur. Ça sera vite. D'accord? Monsieur, ne faites pas ça. Tu m'étais à sortir de mon bureau. J'ai tellement de travail à faire. Ouais, bien sûr, je vais partir.
Mais je te promets que ce sera pas facile pour toi. Ça ne va pas être facile pour toi. Alex! Voilà maintenant. Assieds-toi. Maintenant, travaille. Regarde en quoi je me suis mis. Donc, fiston, je te prie de nous pardonner. C'est bon, monsieur. Je n'ai aucune rancune contre vous ou votre famille. Non, aucune. Je veux dire, l'accusation avait l'air si vraie que n'importe qui à votre place ferait de même. Tu es un homme sage. Merci, monsieur. Je t'en prie. Qui est là? Ah! John, comment vas-tu? Moi? Je vais bien. Je vais bien, monsieur. J'aimerais commencer avec les préparatifs du mariage très bientôt. Nous ne voulons pas perdre plus de temps. Pas de temps à perdre. Oui. Oui. Je sais ce que tu as traversé. Oui, monsieur. Maman? Pa? Quinter? Franck? Je suis désolé pour tout ce que j'ai fait. Je suis désolé pour tout ce que je vous ai fait. Je reconnais tous les reproches que je vous ai faits. Je suis tellement honteux. Mais j'ai très honte de moi. Je ne mérite pas votre pardon. Je ne mérite pas d'être parmi vous. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé pour tout ce que j'ai fait. J'avais besoin de trouver la paix en moi et la paix envers Dieu. Papa, je te prie de me pardonner, je t'en prie. Viens là, fils. Je vais parler au nom de tous ceux qui sont présents ici en ce moment. Nous te pardonnons. Ça va. Je suis désolé. Hé, hey, non, viens. Viens, fiston, viens. Allez. Où est-ce que tu vas? C'est toi ici, tu sais. S'il te plaît, viens. Viens. Papa, je suis sincèrement désolé. Non, tu seras toujours mon fils. Je vous en prie, pardonnez-moi. Lève-toi, Alex. Lève-toi. Je suis sincèrement désolé. Debout, lève-toi. Ça va, c'est bon. Lève-toi. Tu seras toujours mon fils. Allez, calme ton fils. C'est bon. C'est bon, ça va. Ça va. C'est bon. Papa, je suis sincèrement désolé. Allez, voyons, je t'ai pardonné. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.